Good morgen, allez, Iden, les sera aujourd'hui, le Nishmat, Richard Aaron, Ben Fortuné Mazal, Claude Itrak, Ben Fortuné Mazal, Eléo Vanish, et Lili Rachel, Bat Asher. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider dans la prochaine étude de Mishnah, contactez la Sécurité Éternelle. Nous étudions Masechet Shkalim, Perek Vav, Mishnah Gimel. Ve Echan Ayu Mishtachavim, Arba Batsafon, Ve Arba Badarom, Shalosh Bamizrach, Ushtaim Bemaharav, Keneged, Shlosha Asar Shearim. Sha'arim dromiim smuchim le ma'arav. Sha'ar ha'elyon, sha'ar ha'delek, sha'ar ha'bechorot, sha'ar ha'maim. Ve'lama nikra shmo sha'ar ha'maim? Shebo machnisin tzlochit shel ma'im shel nisuch b'chag. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, bo ha'maim mefakim ve'atidim lihiyot yotzin mitachat miftan ha'bayit. Le'u matan b'tzafon smuchim le ma'arav sha'ar yechonia, sha'ar korban, sha'ar nashim, sha'ar ashir. למה נקרא שמו שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו. במזרח שער ניקנור, ושני פשפשים היו לו, אחד בימינו ואחד בשמאלו, ושניים במערב שלא היה להם שם. משנה א', on a introduit qu'il y avait au Beth Amikdash, il fallait se prosterner 13 fois, dans 13 endroits, plus précisément. La Mishnah maintenant va nous préciser quels étaient ces 13 endroits. Je fais juste une petite introduction, ça va être très simple. En réalité, il y a deux avis. Pour les 13 fois où il faut aller se prosterner, c'est-à-dire chaque fois qu'on arrivait, alors il y a l'avis qu'on va voir qui est rapporté dans notre Mishnah, il va nous dire qu'en fait, il y avait tout simplement 13 portes du Beth Amikdash. Quand j'ai le Beth Amikdash, il faut bien préciser, on a appris tout ça longuement dans Masechet Tamid et Midot, surtout dans Midot, en fait, qu'il y avait la Harabait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade. Des mosquées, l'esplanade du Beth Amikdash. Et il y avait là-bas, donc c'était une très grande esplanade. Il faut bien aussi comprendre que c'était, il y avait des dénivelés, on est en montagne, on est à Jérusalem. Donc en fait, c'est pas que c'était un grand carré plat, c'est que ça montait doucement, petit à petit remontait. Il y avait maintenant, dans toute la partie, un point important aussi pour qu'on se repère. Nous, dans nos cartes, on prend toujours le nord en haut. Quand on parle du Beth Amikdash, on prend l'ouest en haut, le Maharav. D'accord? Quand on rentrait par l'est et on avançait doucement, on traversait le Ezrat Nashim, après on arrivait à Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, le Misbeach, et après on rentrait dans le Oulam et tout ça, on faisait que de se diriger vers le Ma'arav. D'accord? La porte d'entrée essentielle, ce qui était le Shaar Nicanor qu'on va voir à la fin, la porte d'entrée essentielle par où, par laquelle tout le monde entrait, elle était à l'est, et on rentrait, on montait tout ça, d'accord? Du coup, il y avait, selon cet avis de la Mishnah, il y avait 13 Sheharim, 13 portails, 13 entrées au Beth Amikdash. Chaque fois qu'on faisait le tour du Beth Amikdash, parce qu'on était obligé, quand on voulait sortir du Beth Amikdash, il y avait un sens de circulation, on arrivait par un côté, on sortait par l'autre côté. Il fallait toujours faire le tour. Chaque fois qu'on arrivait devant un portail, il fallait se prosterner. Du coup, la Mishnah va me faire le détail de tous les portails qu'il y avait. On aurait pu faire étaler longuement cette Mishnah en prenant une carte et en montrant chaque portail où est-ce qu'il se trouve. Ça prendrait beaucoup trop de temps. C'est un peu dommage parce que vous trouverez tout dans le Masechet Midot. Donc si ça vous intéresse, allez regarder là-bas. Et ça, c'est le premier avis qu'on a dans la Mishnah maintenant. Concrètement, la halakha n'était pas fixée comme cet avis. Parce que là, on va voir qu'il y avait 13 entrées au Beth Amikdash. Mais en réalité, ce qu'on a appris justement dans Midot, c'est qu'il y avait juste 7 entrées. Du coup, il y avait 7 entrées, donc les 13 fois où il fallait se prosterner, ce n'était pas en rapport avec les 13 portails, puisqu'il n'y avait pas 13 portails, c'est en fait plus en rapport avec une autre histoire qu'il y a eu, que lorsque les Grecs, ils ont pris le dessus, à l'époque d'Antiochus, ils ont pris le Beth Amikdash, ils ont souillé et tout ça, ils ont fait 13 pirtzot, 13 failles dans la muraille, qu'après, lorsqu'on a repris la main, alors on a rebouché ces failles, ces fissures dans la muraille, et du coup, chaque fois qu'on passait à côté, il fallait se prosterner à Hachem et le remercier. Ça fait qu'on a deux raisons pourquoi il fallait se prosterner. Selon le premier avis, qui va être l'avis de la Mishnah, alors on se prosterne parce qu'on remercie Hachem de nous avoir fait un Beth Amikdash tellement beau. Sur chaque portail, il y avait des petites, je sais pas comment dire, pas des sculptures, c'est pas le bon mot, il y a des petites moulures, je veux dire, des décorations et tout ça, c'était splendide. Du coup, on remercie Hachem de nous avoir fait un si beau Beth Amikdash, comme ça que ce Tov Tovir rapporte. On nous donne Benou Shmaya, Modim al Noya Binyan. Tout ce petit vers d'Israël, j'ai retenu un petit peu l'histoire des décorations. Sur la beauté du Beth Amikdash, on remercie Hachem. Selon notre avis, c'était plutôt le fait de nous avoir permis
d'avoir pris le dessus contre les hellénistes. D'accord? Maintenant, on va découvrir maintenant la Mishnah. Donc retenez bien, comme ça on va se comprendre. On a le Maharav qui est en haut. Si on a le Maharav qui est en haut, ouais, on monte en haut. On démarre en bas depuis la Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, c'était là une grande Azara. C'était pas encore concrètement de là-bas. C'était un peu une sorte de préau avant d'arriver à l'esplanade du Beit HaMikdash concrètement, où il y avait le Baal Mizbeach. Pour le moment de la Ezrat Nashim, on ne voyait pas le Mizbeach. D'accord? On entre dans la Ezrat Nashim, on va monter des escaliers. Chaque fois qu'on va avancer, on va avancer davantage, on va monter un peu plus. On va monter les premiers escaliers, on va arriver au Shaar Nicanor, la grande porte d'entrée essentielle du Beit HaMikdash. Là, on est donc sur la porte est, puisqu'on monte en direction de l'ouest. Là, on arrive au Shaar Nicanor. Shaar Nicanor, il a ici deux petites portes. Je commence par la fin de la Mishnah, comme ça, on se comprend ensuite. Il a deux petites portes sur le côté. Donc, en fait, ça va nous faire prendre trois portes à l'est. Ensuite, on rentre maintenant, on est arrivé sur l'esplanade du Mizbéar. Il y avait encore des dénivelés. Il y avait 11 amas pour la Ezrat Israël. On montait des escaliers, on arrive ensuite à la Ezrat HaKohanim. Et puis après, il y avait le Mizbéar. Après, on continue à avancer. C'était d'accord. Il y avait maintenant tout au long, il y avait des portes. À droite et à gauche. À droite et à gauche, une en face de l'autre. Il y en avait, selon l'avis de la Mishnah, quatre d'un côté, quatre à droite. Donc quatre, ce qui est à droite, c'était le nord. Et quatre à gauche, donc au sud. Ouais, on est entré par l'est. On avait donc trois portes. Le grand Shaar Nicanor, deux petites portes. On commence ensuite à entrer. On arrive dans les Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim. On a là-bas donc quatre portes selon l'avis de la Mishnah. 1, 2, 3, 4, plus on avance, d'accord, c'était l'équivalent de 187 amas. 187 sur 135 de large en amas. Vous divisez par deux à peu près, ça fait l'équivalent en mètres. Ça fait l'équivalent de presque 100 mètres, 97 mètres, je sais pas. Et d'accord, ça c'était pour la longueur. Il y avait quatre portails tout au long. Et il y avait ensuite, en plein milieu, bien sûr, il y avait le Mizbeach dans la première partie. Après, il y avait le Echal avec le Kodesh HaKodashim. Derrière le Kodesh HaKodashim, on avait là-bas, tout au fond, deux petites portes, qui n'avaient pas de nom. Donc si on fait le compte, on a le grand Shaar Nicanor, deux petites portes sur le côté, 4, donc ça fait déjà 3, 4 et 4, ça fait 8, 8 plus 3, ça fait déjà 11, et les deux portes derrière, on arrive à 13, le compte est bon. Avec Echan Ayom où fallait-il se prosterner? Arba Batsafon, 4 fois au nord, dans la partie nord. C'est la partie, souvenez-vous, on a le Mizbeach, on a le Maharav devant nous, on fait toujours les korbanot sur les korbanot des Kodesh Kodashim, les korbanot super kadosh, on les fait toujours à droite du Mizbeach dans cette partie-là, donc c'est le Tsafon. Il y en a 4 ici, 4 au Tsafon. Arba Badarom, en face, 4 au sud. Et ensuite, Shalosh Bamizrach, 3 maintenant, on les prend à l'envers, mais on a les 3 du Mizrach lorsqu'on est entré. 3 dans le Mizrach, j'espère que ça va s'arrêter. Donc 3 au Mizrach, et ensuite on a Vekeneged et Ushtaim Bemarav, et 2 à l'ouest, de l'autre côté, derrière le Kodesh HaKodeshim, d'accord? Et la Mishnah commence à me faire le détail. Et en tout, ça fait Keneged Shlosha Asar Sharim. Donc, on attend de préciser. Il fallait se prosterner 13 fois, 4, 4, 3, plus 2, en parallèle, en corrélation avec les, ou en parallèle concrètement, avec les 13 portails qu'il y avait. Et du coup, quels étaient les portails? Les portes. C'était Sharim Drumim, Smuchim le Maharav. Alors, on va commencer maintenant à faire le décompte des portails qui étaient au sud. Smuchim le Maharav, on commence par le coin à gauche là-bas. On a Shaar Elyon, la porte de tout en haut. Pourquoi la porte de tout en haut? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des dénivelés. Plus ça allait, plus on montait sur la montagne. Et donc la porte, le portail d'en haut, il était le plus haut. Il s'appelait le Shaar Elyon. On ne sait pas à quoi il servait. Le partenariat, le Tosafot, tu vu la porte. En dessous, celui d'avant maintenant, on avait le Shaar Adelek, Shaar Abchorot, Shaar Amaim. Shaar Adelek, c'est le portail, pas de l'essence, mais des combustibles. C'est par là qu'on faisait passer les bois pour le Mizbeach. Shaar Abechorot, c'était là où on faisait rentrer les Bechorot. Les Bechorot, c'est les animaux qu'on fait faire Korban Bechor. En réalité, je crois que c'était tous les Kodashim Kalim. Vous savez qu'il y avait deux types de Korbanot, le Kodesh Kodashim et le Kodashim Kalim. Si vous faites la Mishnah de Ezou, Mekoman, Shal Zvachim le matin, alors vous verrez là-bas qu'il y a les Kodesh Kodashim, Shretat Metzaphon. Tout ce qui est les Korbanot Super Kadosh, qui ont beaucoup plus de lois beaucoup plus strictes, qu'il ne faut pas faire sortir de la Zara et tout ça, alors on leur fait la Shrita dans le Tsafon, dans la partie nord. Tandis que les autres, on peut les faire Bechol Makom Bazara, même dans le sud, donc du coup,
Il y avait une porte spéciale pour faire entrer ces types de korbanot pour ne pas qu'on s'embrouille. On les faisait entrer par la porte du sud. C'était celle-ci. Donc on a trois déjà. Char Elion, Char Adelek, Char Abechorot. Et la quatrième, c'est Char Amayim. La porte de l'eau. Pourquoi la porte de l'eau? Qu'est-ce que ce soit? C'est quoi cette eau? Mais la Mankrashmo Char Amayim, pourquoi elle s'appelait la porte de l'eau? Quel est le rapport? Chez Bomachnissin Tzlochit Shel Maim, Shel Nisur Bechag. Ah, Chag, on a déjà dit. Chag, c'est Soukot. À Soukot, il fallait faire une oblation d'eau sur le Mizbeach. Il fallait apporter de l'eau, c'était, on aura l'occasion de découvrir bientôt la Sechetsuka quand on y arrivera. Ou alors on découvrira là-bas le rituel extraordinaire qu'il y avait tous les jours pour aller chercher de l'eau. Où Shavtemaim Besasson, il dansait toute la nuit. Et après, ils allaient chercher l'eau et ils rentraient avec l'eau par ce portail, donc ça s'appelait le Shar Amaim. D'accord? Je retraduis les mots. Chez Bomachnissin, par là-bas, on faisait entrer Tzlochit Shel Maim, une, je ne sais pas dire comment dire, une cruche d'eau, Shel Nisur Bechag, pour faire l'oblation pendant la fête. Toujours, on faisait des oblations de vin, et à Soukhot spécialement, on faisait même une oblation d'eau en plus du vin. Ça, c'est l'avis de Tanakama, pourquoi elle s'appelait le Shar Amaim. Rabbi Elazar ben Yaakov, Omer, Rabbi Elazar ben Yaakov dit, Bo Hamaim Mefakim, par là-bas, l'eau, s'amplifie, va tidin yot yotzin mitachat miftan abait, et au futur, dans l'avenir, elles sortiront de là-bas, depuis le miftan abait, depuis le seuil du Kodesh HaKodeshim. En fait, il nous explique, Rabbi Elazar ben Yaakov, que c'est lié à une névoa qu'on dit à je sais plus quelle fête, c'est Sukkot, ou Yetsu Maim Chaim de Yerushalayim, du Bezat Hashem quand Mashiach va venir. Alors, et la nouvelle nous assure qu'il y aura une source d'eau qui va se mettre à jaillir dessous le Kodesh HaKodashim, qui va se diriger avec un petit, tout petit ruisseau, très fin, qui va partir jusqu'à Shahar Amaim, il va sortir par le Shahar Amaim, et une fois qu'il arrivera là-bas, à cet endroit-là, alors il va déjà commencer à s'amplifier, il va devenir avec une épaisseur d'un par. Alors un par, c'est une petite fiole, donc je ne sais pas exactement, c'est-à-dire que ça va devenir plus large. Le mot par, c'est de là que ça vient le mot mefakim, ça s'amplifie. Et puis après, la Gemara de l'Yerushalmi nous raconte qu'après cette eau, elle va même fabriquer, ça va même arriver beaucoup plus loin à s'en former en une réelle mer. D'accord? Et voilà, ça c'était pour le Shar Amaim. Donc on a fini avec les quatre qui étaient au sud. Maintenant, on va expliciter les Umatan Batsafon, Smuchin Amarav, en parallèle, au nord, cette fois-ci, Smuchin Amarav, on va commencer par les deux portes qui étaient à l'ouest, donc derrière le Kodesh HaKodeshim. Tout au fond, il y avait Char Yachonia, le porte de Yachonia. Yachonia, c'était un des derniers rois d'Israël qui était parti en exil. Pas exactement le dernier c'est Tzidkiou, c'était son frère, je crois. Et il y avait ensuite le... On va expliquer dans le Mishnah pourquoi c'est Char Yachonia. La porte de Yachonia, Char Korban, la porte du Korban. Le Korban, en réalité, c'est du Korban Kodesh HaKodeshim. Comme il y avait une porte pour s'entrer les Kodeshim Kalim au sud, il y avait une porte pour s'entrer les Kodesh HaKodeshim au nord. Char Nashim, la porte des femmes. C'est quoi l'histoire de la porte des femmes? C'est que il y avait pour des corbanotes, lorsqu'une femme va prendre un corban, vous imaginez bien qu'elle ne se promenait pas en plein milieu des hommes, c'est pas du tout de sa noix. Et donc quoi? Il y avait une porte spéciale par laquelle une femme qui apportait un corban, elle partait par là-bas, et on savait, elle entrait discrètement, enfin de manière pudique, sans se mélanger avec tout le monde, elle apportait son corban, elle tournait au Kohen, s'il fallait faire la smicha, selon l'avis qu'il fallait faire la smicha, écraser, mettre ses mains sur le corban, alors le mettait, ou même pour rester près de son corban qu'à la porte, elle passait par là-bas, comme ça elle pouvait être à proximité de son corban sans trop se mélanger dans la foule et se promener dans le milieu des hommes. D'accord? Ça c'était pour le char à corban, le char Nashim, et on a le char à Shir, la porte des chanteurs, des chansons, de la musique. Par là-bas on faisait entrer les lévim faisaient entrer les instruments de musique, lorsqu'on avait besoin de les faire entrer. J'insiste, lorsqu'il y avait besoin de les faire entrer, parce que réellement, les instruments de musique, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là-bas, ils étaient stockés. Il y avait, à côté du char Nicanor, il y avait une petite lishka où là-bas, on mettait les instruments. Donc j'imagine qu'on voulait faire entrer des nouveaux instruments. Il y a un petit problème. J'ai pas vu qu'ils en ont parlé, les Mefarshim. Mais bon, c'est pas grave. Quand on voulait faire au moins entrer des nouveaux instruments, on les faisait passer par là-bas. Ok. Maintenant, on revient sur le premier char, qui s'appelait Char Yachonia. Avec la manika, Shmo Char Yachonia. Pourquoi s'appelait-il le Char Yachonia? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial là-bas? Chez Boyatza Yechonia Begaloto, lorsque Yechonia a dû partir en exil, c'était à l'époque de Nebuchadnezzar.
Il l'a pris en exil. Après, il a nommé son frère. C'est Yechonia, il a voulu se révolter. Du coup, on l'a pris en exil, on a nommé notre roi à sa place. Et Tzidkiyahou, en l'occurrence, je crois que c'était. Et donc, quand il est parti, Yechonia, maintenant qu'on a dû l'exiler, il a demandé à partir du Beth Amikdash pour quitter la Shrina d'Hachem. Il savait que le Beth Amikdash allait bientôt être détruit et qu'il allait plus le revoir. Donc, il est parti, il s'est prosterné là-bas. Et il est sorti par là-bas de l'exil, du coup cette porte c'est resté le Shaar Yechonia. D'accord? Maintenant on a fini avec les 4 du sud, 4 du nord. Maintenant on va commencer avec les 3 de l'est. La Mizrach, à l'est, on avait le Shaar Nicanor. Les portes de Nicanor, c'est expliqué dans la Gemara de Yuma, dans la Fayomi, on a vu ça dans les dernières semaines, que Nicanor c'était quelqu'un qui était parti acheter des portes. Jusqu'en Égypte, des portes en cuivre scintillant pour le Beth Amikdash. Et puis il y a toute une histoire, c'est que là, il y a eu en pleine mer, il y a eu une tempête. Ils ont jeté une première porte, après ils ont voulu jeter la deuxième porte. Il a dit non, si vous la jetez, vous me jetez avec. Du coup la mer s'est calmée. Lorsqu'ils sont arrivés, pendant toute la route ensuite, il avait plein de peine sur la première porte qu'on avait quand même jetée par-dessus bord. Lorsqu'ils sont arrivés au port de Yafo, ou de Akko, je sais plus, c'est quoi écrit qui est Akko, dans la Gemara. Alors, il se disait, ah, que dommage que je me suis pas, que je me suis pas attaché même à la première porte. Et en fait, lorsqu'ils sont descendus du bateau, ils ont vu que la deuxième porte, elle était restée collée, elle s'était accrochée au bateau, et elle les avait suivis durant toute la route. Donc du coup, il était très content, comme il y avait eu un miracle qui s'est passé avec ses portes. Du coup, c'était devenu le Shaar Nicanor, ça s'appelait à son nom, les portes de Nicanor. Maintenant, à côté de ces portes-là, où je n'ai pichpéchine à Yulo, il y avait deux petits pichpéchines, c'était deux petits portails, aussi plus petits à côté, c'est fréquent dans les grandes portes, mais aussi des petits portails pour entrer aussi. Et Echad Mimino et Echad Mismolo, donc ça fait trois en plus, et là-bas on se concernait. Ushnaim Bama'arav, Shelo Haya Laem Shem, il y en avait deux à l'ouest aussi, deux portes qui étaient à l'ouest, qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient presque pas de fonction, parce qu'en fait, elles n'étaient presque pas utilisées. Et malgré tout, il y avait des portes. Ça fait un petit. Regardez, il y a un petit Tifer Israël qui propose de dire que non, l'Oyalem Sham, qu'au Beth Amikdash, elles n'étaient plus là, mais qu'on se concernait quand même. Peu importe. D'accord? Donc on est arrivé comme ça sur les 13 endroits où il fallait se prosterner au Beth Amikdash, selon David de la Mishnah. Et le Bar Tanoura nous rapporte que Chachamim discute sur ça, il pense qu'il n'y avait que 7 portes, et qu'en réalité, on faisait les 13. On se prosternait 13 fois au Beth Amikdash en rapport avec les 13 failles que les Grecs avaient fait et qu'on avait eu le mérite de reprendre la main dessus pour les boucher. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.